Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo challenge. Elle m'a été demandée par pas mal de personnes et donc je me disais que c'était parfait de faire ça en voiture aujourd'hui. On a du beau temps et donc j'ai prévu tout ce qu'il fallait pour mon make-up. Donc comme vous pouvez voir, je ne suis pas maquillée du tout, je n'ai rien sur le visage. Mon chéri va conduire, il a envie, je crois qu'il veut une glace au McDo, enfin il fait comme il a envie, par contre il va m'en prendre une. Je ne sais pas si on va dire je me maquille en 10 minutes, non parce que je pense que j'y arriverai pas, je ne sais pas. J'ai avec moi, je vous montre tout de suite, ça c'est le top quand vous partez en voyage, la trousse où vous mettez tout dedans avec plusieurs compartiments. Donc j'ai tout prévu, on va faire un maquillage simple par contre. Hein. Et j'ai prévu la trousse avec les pinceaux, le beauty blender et tout. C'est parti, donc on va commencer par le fond de teint. Donc on va prendre le beauty blender et comme vous pouvez voir je l'ai humidifié, hein. Pensez bien humidifier bien sûr. Et donc on va venir l'appliquer sur le visage. Je redoute, surtout la partie c'est quoi du liner. Par contre, tu vas tranquille. Hein. Donc, je vais mettre quelques petites pipettes. Je ne vais pas trop en mettre. Je ne me suis jamais maquillée en voiture. Alors, là, j'ai pris le Yves Saint Laurent éclat. J'adore chez Yves Saint Laurent, mais je pense que j'ai déjà dit. C'est parti. Hop, hop. Alors, je ne sais pas si le son sera bon ou pas, les filles. Il ne faut pas nous en vouloir. Mais en voiture, c'est pas le top top. Voilà. On a un temps magnifique. On va mettre après sur les paupières, ma base à paupières, le temps que je fasse mon teint, le temps que ça sèche, parce que sinon après au niveau des fards, ça va pas être top pour pouvoir l'appliquer. Je peux pas mettre un peu de musique? Voilà. Voilà, donc je pense que là on est bon pour le teint. Voilà, ensuite, donc on va prendre tout de suite une base à paupières, donc c'est là chez Benefit, en ce moment je l'aime bien, enfin j'ai pas pris la marque parce qu'avec le petit pot c'était un peu galère. Donc je vais venir l'appliquer en fait sur mes paupières. Hello la factrice. Hop hop, le temps que ça pousse, j'ai pas intérêt de me mettre ça dans l'œil. Greg, tu fais gaffe sans déconner. Hein. Comme ça, ça va faire tenir mes fards et en même temps ça va prendre le temps de sécher parce que sinon on n'aura pas le temps. On va prendre le pinceau chez Fenty qui fait en fait les contours, le concealer, enfin il fait un petit peu tout, j'aime bien ce pinceau pour ma base à paupières. Voilà, donc pour la base on est ok les filles. Ensuite on va venir mettre de l'anti-cerne. Et l'anti-cerne, aujourd'hui il y en a besoin, hein. Tu n'en trouves pas? Comme d'hab, hein. Ouais, c'est ça, comme d'hab. Ça c'est bien les mecs ça. J'ai pris celui de ces tartes. J'ai pris tarte parce que le tarte il est vachement couvrant. Moi j'adore cette odeur un peu citronnée. Bon. Je vais venir camoufler ce que j'ai envie de camoufler. Hop. Ouh, je suis belle. Par contre, ça s'est arrêté par les frites parce que je te dis pas. Hop. Il fait un temps magnifique, franchement. Bien que pour le moment ça va parce que je fais le teint donc c'est pas trop gênant comme quand il conduit. On sait plus comment s'habiller, ce matin il faisait pourri et puis là il fait bon. Bon, je pense pour le concealer on est bon. Donc ensuite quand on est venu faire ça on va venir matifier. Et ben j'ai ce qu'il faut en main, celle de chez Too Faced, j'ai pris en compact, c'est plus pratique. Alors là, si je prenais la poudre ou quoi, je te dis pas, je vous foutais partout. Je vais me prendre un pinceau pour venir matifier tout ça. Mon pinceau que j'adore, le pinceau fétiche de Mr. White de chez Too Faced. Et j'adore cette poudre. Elle m'a été ramenée par Gaga de LA. Mais maintenant, je crois que c'est sur le site internet, je crois. Je crois qu'elle est sur le site. Voilà. Ensuite, on va venir faire la poudre bronzante tout de suite. Alors, comme poudre bronzante, qu'est-ce que j'ai? Chérie, tu prêtes? Je mets celle-ci ou celle-ci? Laissez choisir, tu vois. De toute façon, il peut avoir que de bon goût parce que les deux sont magnifiques. Qu'est-ce que t'en penses? Elles sont pareilles. Elles ne sont pas pareilles. Mais non, elles ne sont pas pareilles. Elles ont un peu mais plus de paille. Elles ne sont pas pareilles, les filles. Je vais prendre leur glace. Ah, attendez! On va mettre le stick avant pour faire les contours des nez. Le stick de chez Rihanna, là. Le match trio en teinte mocha. Et on va venir en mettre là sur le bout du nez. Voilà. Je vois pas grand chose. Bah oui, c'est joli.
Ouh, bah non, attends. On va venir estomper après tout ça. Regarde, je suis belle. Tu vas prendre le McDo comme ça. Non, je vais pas au McDo chez ma glace comme ça. Attendez, je vais prendre le mon petit pinceau de chez Fenty. Après les gens, je m'en fous, je fais ce que je suis dans ma bagnole. Je leur dirais que je fais un challenge tuto. C'est bien, il est passé par une route où il n'y a pas de problème, c'est tout droit, ça tombe pas trop. Ce serait bien un retour pour le, par contre, pour le liner, tu vois. Par contre, j'espère que je vais avoir le soleil dans la gueule, là. Toi, t'as tes lunettes, mais moi, elles sont là, mais je peux pas les mettre. Oula ! Ah ben là, je pense que les étoiles... Ah, t'as vu ça ? Regarde ça comme ça. Les paillettes qu'il y a. Voilà. Il est top, 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 celui-là. Franchement, les filles, il est génial. On va mettre le blush. Et pour le blush, ça c'est une valeur sûre. C'est le Too Faced. Je l'ai ressorti, le Papa Don't Peach, que j'adore. Vous le connaissez tous, il est génial. Là, je peux pas me tromper. Je vais reprendre mon pinceau Mr. Right parce que celui-là, il est vraiment multifonction. Il est juste fabuleux. J'ai un œil qui pleure, ça me saoule. Il n'y a pas des relous sur la route là ? Non, tout va bien. Ensuite, on va passer aux paupières, c'est parti. Donc je vais prendre ma palette de chez Tarte. Par contre, en dessous de mes sourcils, je vais mettre le Eyebrow de chez Benefit, en fait, pour avoir un côté propre du sourcil. Je vais le faire tout de suite, parce qu'après je vais oublier. C'est top ce crayon. Alors des fois j'utilise les fards de la palette, mais tellement pratique avec un crayon de chez Benefit, c'est top. De toute façon, j'adore les produits de chez Benefit. Bah, j'aime tout quoi. Alors, c'est parti mon kiki. Donc, je prends la palette de chez Tarte. Ouais, j'ai pris un risque parce que celle-ci elle est fragile, mais je l'adore, j'adore les couleurs qu'il y a dedans. Donc, on va faire un maquillage tout simple. Je vais prendre tout de suite mon pinceau fluffy de chez Lime Crime. J'adore les pinceaux de chez Lime Crime. Ah chérie, tu ne fais pas de la merde, hein, ma bagnole. On va commencer par la couleur Force Nature. Force of Nature. J'adore ce qu'elle fait. Là, c'est parti. Arrête, là, faut que je sois contre. C'est pas évident. Je vais me foutre le pinceau dans l'œil. Il faut dire qu'on a des routes démontées ici. Tu demandes pourquoi tu payes les impôts, quoi. Tu vas où? Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur, moi? Je vais prendre la Natural Beauty. Qui est un genre de... On est tout dans des fards un peu violets, mais on a plus ou moins des couleurs différentes. Une qui est un peu plus prononcée. Celle-ci, elle est un violine, mais très très doux. Donc je vais prendre le Natural Beauty et que je vais continuer avec mon pinceau fluffy pour venir l'appliquer ici, dans le coin de mon œil. Ouh, et ça c'était limite là hein. Attends Greg, t'es super près de la bagnole. Donc là, je vais venir prendre l'autre œil, les filles. Là, il va au McDo. Par contre, moi, je peux même pas manger une glace, quoi. Alors, t'es baisé. Bah si, moi, j'en veux une. Bah non, elle va toute fondue. Ah bah on fout, tu refais un tour après, tu vas me la chercher. Bonjour, j'aimerais un McFlurry, s'il vous plaît. On fout, j'ai le temps de me maquiller. M&M's chocolat. Ce sera tout, merci. Ouais. Et de l'eau, merci. Quelque chose pour moi, non, rien. Que nini. Bah je m'en fous, tu reviendras, j'ai ma glace. On n'a rien à péter. Donc ensuite, les filles, on va mettre un fard à paupières au centre de ma paupière, bien sûr, n'importe quoi. On va mettre un fard, notre fard. Par contre, il me faut un autre pinceau, mon pinceau de chez Too Faced, et on va prendre le fard, le Power Player. Il est trop beau ce fard. Bonjour. Et je vais le mettre au centre de ma paupière. Donc c'est parti. Je vais venir l'appliquer en deux étapes, parce qu'après je vais reprendre un autre fard un peu plus violet. Merci. Au revoir. Salut. Salut, tu veux un petit coup de fard à paupières? Par contre, c'est dégueulasse que toi tu vas te manger une glace. Mais là, je peux même pas m'en manger une. Moi, j'ai pas ma glace, je suis dégoûtée. Voilà, donc ensuite, je vais reprendre mon pinceau fluffy.
Non, je vais prendre un autre pinceau pour venir appliquer le fard un peu plus intense. Et tu vas voir, j'ai pas pris le pinceau. Mercredi. Donc, on va prendre le fard Best Friend. J'adore ce nom déjà. Best Friend. Hein, chérie ? Ouais. Que je vais venir appliquer sur le coin interne de mon œil. Et après, je vais venir bien sûr l'estomper. On ne va pas laisser comme ça, bien sûr. Donc, on va venir reprendre le fard Best Friend. Avec mon autre pinceau, j'ai 36 000 pinceaux dans les mains. Et puis ensuite, on va revenir estomper. Et je peux vous dire que c'est pas évident en bagnole. Je crois que je redoute le liner et le mascara. Ah non, faut pas trop que ça tourne. C'est joli, non? Ça va pour le moment? Ça te choque pas? Quoi? On dirait un clown. Pourquoi on dirait un clown? Tu rigoles, c'est super joli. Ouais, elle est bonne ma glace. Rien à secouer. C'est bien ou pas? C'est parfait. Donc, pour mon ras de cils, je vais prendre la teinte Multi-Taker, que j'adore énormément. Est-ce que je la mélange avec le Dreamer? Non. Je vais mettre uniquement la teinte Multi-Taker, comme on est un peu dans des marronnés violines. Alors là, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que j'ai peur de planter le truc dans les yeux. Oh, arrête! C'est quoi ces routes? J'arrive pas à me mettre le truc. Oh, bah voilà, dans l'œil. Il y a pas un feu là? Voilà, les filles, ça a l'air pas mal. Donc maintenant, on va passer à la partie critique, le eyeliner. Arrête! Mais t'es con! Débilos! Oh, liner, j'en ai deux. Est-ce que je mets le Yves Saint Laurent Couture ou alors je mets le Finger de chez Sephora Finger? Il est super pratique. C'est parti! On va secouer la petite bille. Allez, c'est parti! Arrête! Greg, arrête! Bon, je vais commencer par quel œil? Non, là, faut pas rigoler. Hein. Par contre, pourquoi tu fais exprès de passer par là? J'ai fait un train, mais on le trahit pas. Je vais me rattraper. J'ai fait un microscopique trait, les filles. Alors, attendez, on va faire l'autre. Ouais, un stop. Ça va pas du tout. Bon, attendez, je vais essayer de rattraper ça. Mais c'est un truc de dingue, t'arrives pas. Je suis blasée. Trail partout comme ça, là, affreux. On arrive toujours un œil mieux que l'autre. Par contre, ce sera pas celui-là, quoi. Putain, mais c'est quoi ces routes? Elle est confortable? Non, 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 elle est pas confortable. Regarde les bosses que ça me fait. Les filles, je vais pas y arriver. Ça me stresse. J'ai la ceinture qui me gêne. J'ai fait n'importe quoi. Ah, oh, c'est bon! Ah, ça suffit là! Bon, j'attends. Bon, il est loupé mon liner là. Okay, les bosses où il n'y a pas des bosses. Bon, voilà l'horreur, les filles. C'est affreux, c'est pas grave. On va prendre le mascara maintenant. Je vais venir mettre le mascara. Et après, on viendra mettre l'highlighter et le lipstick. Voilà les filles pour le mascara, j'adore, il me fait des cils vraiment magnifiques et il est très très bien. Le Marc Jacobs j'aime beaucoup, je pense qu'il faut que je me le prenne. Je vais me foutre un coup de mascara dans les yeux. Et voilà les filles, pour le mascara on est tout bon. Ensuite on va prendre de l'highlighter, on finira par le lipstick. Et en highlighter j'ai choisi, j'ai pris le MAC. Voilà, pareil valeur sûre, le Soft and Gentle qui est juste canon. Et j'ai pris mon pinceau highlighter de chez Fenty qui est juste fabuleux. Là, on remonte un petit peu là sur l'arcade sourcilière, les filles. Je sais pas si vous êtes déjà maquillée en voiture. Moi, c'est la première fois que je fais un maquillage complet en bagnole. Et autant te dire que c'est pas facile parce que. Alors, le teint, c'est easy. Hein. Enfin, c'est easy. T'as pas la même lumière que t'aurais chez toi. Trop trop beau. Qu'est-ce que je me mets? On va bien mettre le contour, un contour de chez Huda Beauty. Voilà, je ne mets pas trop non plus. Alors qu'est-ce que je mets les filles? Tu mets la chaudière chérie? Alors soit j'ai, en fait c'est tout démarronné, il y a le Bow and Arrow de chez Kat Von D. Oh, il est trop beau, le fleur de chez Huda
Huda Beauty ou alors le Aston de chez Martine. De chez Anastasia. Non, c'est pas Martine. Bon, lequel je mets? Donc, on va venir mettre Vidiofeu. Il est trop beau de chez Kat Von D, qui est le N Arrow. Je l'adore, il est trop beau ce lipstick. La texture, elle est hyper agréable. Alors là, c'est pas évident. Je pense qu'on est bon. On n'est pas trop mauvais là. Juste liner qui me saoule en fait. Il y a un feu rouge, je peux pas refaire mon rouge à lèvres. Et voilà, j'ai terminé. Qu'est-ce que t'en penses? Alors voilà les filles, le make-up est terminé. Alors vous allez me dire, ouais c'est bien, c'est sympa ce que t'as fait, c'est joli, mais non, mais en fait il y a pas mal de défauts. Notamment le liner, j'aurais voulu un peu plus fin, bon c'est pas non plus catastrophique, non? Mais bon, le fard à paupières ça va. Ouais c'est liner quoi, il n'y a pas un trait qui est pareil, mais bon je les referai à la maison je pense. Hein. Parce que c'est vraiment pas très joli, je mettrai ma paire de lunettes. Je pense qu'on a tout mis, on a tout fait. En tout cas, je voulais vous remercier de nous avoir suivis. Donc pour ce challenge, je me maquille en voiture. J'ai relevé le défi, c'était très sympa, je me suis bien amusée. Par contre, peut-être que je me perfectionne un petit peu pour faire le liner. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. N'hésitez pas à exploser les likes si la vidéo vous a plu. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu. Si ça vous est déjà arrivé de vous maquiller en voiture. On n'a pas le droit, hein, pas en conduisant bien sûr, hein, mais comme ça en place passager. En tout cas, je vous fais plein d'énormes bisous. Profitez bien de tout, de tout, de tout. Et une prochaine vidéo est à venir avec mes amis. J'espère qu'elle vous plaira. Ciao les filles et je vous dis à très très vite. Des millions de bisous.